Comment vous appelez-vous et de quelle province, ville, village êtes-vous originaire? Je m'appelle Ibinga Paul, je suis de la province de Mangala et du village de Ngombe-Dogo. Vous êtes en quelle faculté et en quelle promotion au sein de l'Université protestante au Congo? Je suis régulièrement étudiant à l'Université protestante au Congo en première année de licence. En quelle faculté? De droit. Pourquoi était-il important pour vous de poursuivre des études universitaires? Parce que depuis la nuit du temps, l'université est un endroit où toute personne qui passe par là a des ouvertures au niveau de la société, au niveau du travail et dans l'avenir. Quels obstacles avez-vous dû surmonter pour réussir vos études et être en mesure de commencer l'université? Alors, les obstacles, il y en a pas mal de nombres parce que j'ai survécu face à des changements d'école, notamment des climats politiques, des grèves et tant d'autres situations que notre pays a connues. La COVID-19 a-t-elle créé des obstacles ou des défis supplémentaires pour vous dans vos études ou pour votre université? Alors, s'il faudrait associer les études à l'université, la COVID-19 a vraiment impacté parce que l'année qui devait s'achever au mois de juillet, nous sommes arrivés jusqu'au mois de novembre, voilà que l'année encore a été interrompue parce que la COVID réapparaît. Donc l'impact était vraiment très grave. Et du point de vue personnel, quel était l'impact du COVID sur vous ou sur vos études? L'impact de la COVID dans ma vie, c'est parce que la COVID m'a montré une nouvelle facette de la restriction dans ma vie. Je n'ai pas pu accéder avec certaines personnes, parler, et des distanciations, ça a réduit le champ de mes amitiés. Et vous comprendrez qu'actuellement, je ne peux plus passer du temps avec beaucoup de personnes que j'aime tant. Que prévoyez-vous de faire après avoir terminé vos études universitaires et obtenu votre diplôme? Quel type de carrière pensez-vous embrasser et pourquoi? Alors après l'obtention de mon diplôme de l'université, de licence, je voudrais bien embrasser la magistrature parce que c'est quelque chose que j'ai eu à penser depuis que j'étais tout petit et j'aimerais bien réguler et faire régner la loi dans ce pays. Merci. Je vous en prie.